J'ai fondu, Lucille. L'amour est dans le pré. Surprise par sa perte de poids depuis son accouchement. Lucille, candidate de la saison 15 de L'amour est dans le pré, a donné naissance à son deuxième enfant. Dans une récente story Instagram, l'épouse de Jérôme s'est confiée sur les kilos qu'elle a perdus depuis son accouchement. Elle n'a pas peur d'aborder des sujets sensibles. De ses problèmes de poids à son accouchement, en passant par son état de fatigue, Lucille, candidate de la 15e saison de L'amour est dans le pré, a toujours décidé de parler à cœur ouvert à ses abonnés. Alors qu'elle a récemment regoûté aux joies de la maternité, la jeune femme a souhaité répondre à l'un de ses abonnés, au sujet de la perte de poids liée à sa deuxième grossesse. Vous aussi la seconde grossesse, la perte de poids ensuite était plus rapide? S'est interrogé un internaute. Et l'intéressé de répondre en toute franchise. Plus quoi 5 kilos de mon poids d'avant grossesse. A-t-elle révélé, avant d'expliquer que ces deux grossesses avaient été différentes. Je suis surprise, pour Capucine, j'avais dû entamer un rééquilibrage alimentaire pour retrouver mon poids et reprendre la course, a-t-elle rappelé, dans une story Instagram, dévoilée ce mercredi 9 août. Après la naissance d'Adonis, la jeune maman a dû faire moins d'efforts pour retrouver son poids de forme. Là, j'ai fondu sans rien faire de spécial, a confié la mère de famille, qui a parfois été victime d'attaques sur son physique par le passé. Lucille, l'amour est dans le pré, ce nouveau projet après son accouchement. Une chose est sûre, Lucille n'est pas restée les bras croisés depuis qu'elle a accouché de son petit garçon. Quelques jours seulement après avoir accueilli son deuxième enfant, l'épouse de Jérôme a repris le chemin du travail. Entre ses partenariats avec différentes marques, son rôle de maman, sans compter ses activités au sein de la boutique de la ferme et sur l'exploitation, la jeune femme n'a pas chômé. Avant le lancement officiel de la 18e saison de l'émission de M6, prévue le 21 août, l'intéressée s'est confiée sur ses projets à venir auprès de Gala.fr. Comme vous le savez, je viens d'accoucher de mon petit garçon. Ma priorité est vraiment de m'occuper de ma famille, a-t-elle fait savoir, avant de lâcher une petite confidence. Peut-être un second livre, point. Nous ne programmons jamais rien de ce qui nous arrive. Alors on verra bien, a indiqué cette pétillante maman de deux enfants. Lucille Nen serait en effet pas à son coup d'essai puisque la jeune femme a déjà sorti un livre, en collaboration avec son mari, intitulé « Les recettes de Jérôme Lucille ». De la graine à l'assiette, cultiver et cuisiner ses légumes au fil des saisons, paru aux éditions Le Duc en octobre 2022.